In Caracas, Venezuela today, violence as a means to an end. Venezuelan President Hugo Chavez was forced from office after a controversial three-year term. Following a military coup, Venezuela is apparently under the control of the army. The fate of Chavez himself remains unclear. Takeover, there were violent demonstrations in the streets of the capital. At least 10 people were killed, unconfirmed reports put the figure closer to 30. President Chavez has had a rule that has been controversial and has not met with widespread popular support within Venezuela or within among his neighbors, and certainly in the United States with President Bush. Leaving the United States hopeful that a new government will help stabilize Venezuela's oil industry, the world's fourth largest exporter. Notre équipe de tournage est arrivée au Venezuela 7 mois avant la tentative de coup d'État pour faire un portrait du président Hugo Chavez. C'est un homme politique atypique qui n'a que faire des conventions établies par les autres dirigeants mondiaux. Chavez, avec son style excentrique, a permis aux classes modestes de la société vénézuélienne d'exprimer toute leur énergie et leur passion. Au-delà du pays, c'est toute l'Amérique du Sud qui semble se réveiller. Chavez accède démocratiquement au pouvoir en 1998, après une élection triomphale. Les 80% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté ont massivement voté pour lui. Le Venezuela est le 4e producteur mondial de pétrole, mais seule une minorité de ses habitants tire profit de l'or noir. Chavez a promis de redistribuer cette richesse, ainsi que de faire participer le peuple à la vie politique. Après avoir fait adopter une nouvelle constitution par référendum en 1999, Chavez veut désormais amener le peuple à connaître ses droits. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo. Y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución Revolucionaria y Bolivariana. Pero para eso hace falta la organización popular. Estos muchachos es el equipo nuestro que anda con el presidente. Ya esto me lo llevo yo. Esto, yo le mandé un poco de estos amorosos y una carta y no se la he entregado. Hablando conmigo como si estuviera hablando Agarra con él. Ahora y la lea en silencio hoy para ver si está bien. ¿Y qué pasó, mi reina? Bueno, yo pasó que yo quiero hablar con él personalmente. Porque yo hablando con él, él me entiende. ¿La dirección está completa aquí? No. Dime la dirección. Cuatro esquinas. Yo vivo en Las Malvinas.
Barrio Las Malvinas. Barrio Las Malvinas. Pour mettre en œuvre sa mission d'éducation politique et tenir sa promesse de transparence, Chavez anime une fois par semaine une émission radio-télévisée dans laquelle tout citoyen peut s'adresser directement au président. Aló, presidente. Con solidaridad se construye un país. Vamos pues, juntos, llamada en el aire. Presidente, hablando de noticias positivas, tenemos el contacto telefónico con Richard Páez. Positivas, le ganamos a Chile 2-0. ¿Qué tal? Richard, buenas tardes. Estoy tocando el piano. Buenas tardes. Epa, Richard. D'autres raisons expliquent l'attirance qu'exerce Chavez sur le peuple. Il n'est pas blanc et il n'est pas issu de la classe politique traditionnellement au pouvoir. En 1992, alors jeune officier, il tente un coup d'État contre le gouvernement de l'époque. Il échoue et il est emprisonné. Cette détention fait de lui un héros populaire. 2 ans après son élection, Chavez doit toujours faire face à une opposition virulente de ceux qui s'étaient habitués à diriger le pays. Leur pouvoir économique est considérable. Chavez a le contact facile et naturel. Cette qualité s'est révélée décisive pour renforcer ses appuis à l'intérieur comme à l'extérieur du palais présidentiel. Chavez, en bon militaire, sait instinctivement comment gagner la loyauté de ses troupes. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, attention presente. Tout ce courrier concerne la visite du président à la paroisse del Valle. L'ensemble de ces données est informatisé. Pour nous, ce sont des lettres, peu importe leur format. On reçoit entre 200 et 300 lettres par jour. Je cherche un emploi et j'aimerais travailler dans une école publique. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, je vous demande de m'aider, quelques sacs de sable, de ciment, des poutres et des chevilles. Quelqu'un qui veut réparer sa maison. Válido para todo. Yo me he puesto a hacer una encuesta de ustedes que viajan para el interior y les pregunto, mire, ¿cuántos programas fuiste? No, que pasé 2 días por allá. ¿Fuiste a la televisión? ¿Fuiste a la radio? ¿Decía algo? ¿Convocaste una ruedita de prensa con los 4 periódicos de allá? Bien planificada, ¿repartiste materiales a los periodistas? Es un problema gravísimo de la revolución. No comunicamos, no sabemos cómo comunicar. Los logros. Sí, los logros, los planes que están en marcha, incentivar a la comunidad, llamarlos a cooperar y mostrar resultados tangibles, porque lo que todos los días aparece por la prensa es, bueno, que el país se está hundiendo, que aquí no hay gobierno, y manden a alguien adelante, que coordinen, que ustedes llegando, epa, voy para la radio de una vez. Aquí llegó el gobierno revolucionario, la revolución bolivariana, y en la mañana se paran temprano. Televisión local. Eso neutraliza la gran campaña de los grandes medios. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición sin Chávez. Por supuesto.
Hasta el próximo jueves. Tous les jours, Chavez est la cible d'une véritable guerre des médias. Cinq chaînes privées, appartenant aux groupes économiques les plus puissants du pays, se taillent la part du lion de l'audience. L'unique chaîne contrôlée par l'État, Canal 8 sur VTV, est le seul instrument à la disposition du président pour riposter. Chavez, en bon combattant, semble se délecter de cette lutte. Esta es una transmisión del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, conjuntamente con la Red Nacional de Radio y Televisión. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes, aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Le Venezuela a toujours fourni un pétrole bon marché aux États-Unis. En décidant d'intensifier le contrôle de l'État dans la compagnie de pétrole et d'augmenter le prix du brut, Chavez savait qu'il allait s'attirer les foudres de Washington. Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. J'ai un souvenir d'enfance qui m'a longtemps traumatisé. Ma grand-mère grondait ma mère et lui disait « Tu as hérité des gènes de ton grand-père assassin. » Cette vision de mon grand-père m'angoissait. Je suis parti à sa recherche. Je l'ai cherché pendant des années et j'ai fini par retrouver sa trace. Il faut remonter à l'époque de Zapata. Emiliano Zapata a été assassiné en 1919, il me semble. Mon grand-père faisait la guerre et commandait une poignée de Mexicains venus dans la région. C'était des révolutionnaires à cheval qui se battaient dans les montagnes avec des lances et des machettes pour une république, pour le rêve d'un dénommé Bolivar. Quand ils arrivaient quelque part, certains combattants ordonnaient que l'on tue une vache ou des poules pour apaiser leur faim. Mon grand-père interdisait ces pratiques à ses troupes. Il a toujours demandé le prix des vaches. Il avait souvent un peu d'argent sur lui et si ce n'était pas le cas, il signait des reconnaissances de dettes. J'ai aussi entendu dire qu'il donnait toujours plus que ce qu'on lui demandait. Aujourd'hui, je sais qu'il n'était pas un assassin. Bien sûr, certains le prétendaient et ont semé la confusion dans l'esprit de ma grand-mère, Martha Frias, paix à son âme. Mais mon grand-père était un combattant.